pour ça que j'ai négocié pour tous ceux qui sont là, ils peuvent rentrer. Kese mingi na kukutana na mpangi na betu doyen honorable Mboso ya mevanda ya bome Matisa na ba député ame ko vote yandi comme président ya assemblée nationale na yo betu kuisaka ntete ku féliciter yandi na élévation ya ame ko baka en tant que digne fils ya province na betu ya Grand Bandundu na nima na yo betu kuisaka assurer yandi semble y avoir une assurance que Betu, assemblée provinciale, il y a Kwilu, mais qu'on adhéré à plus de 80%, donc 90% na vision chef de l'État, et mais kota na union sacrée. Et na yo, na kota na union sacrée, ina Betu kufanda ka encadré par ba mfumu na Betu, y a ba regroupement politique na Betu, na niveau ya Kinshasa awa. Sambu bon tete kukotaka na ni mabome kusu kwa nkadre betu sambu betu mpi kukota na yo benta mwona na diboko na munu ya kibakala kele honorable professeur Willy Makiashi ya benike zaba yani kele mosi ya ba mfumu ya ba regroupma politiki na betu kuna na nivou ya province e yani montumpi me kwa nkadre betu mingi sambu betu kwa adere masivma na kati ya union sacrée. Yani mpike le timpangi nani yankaka metuba l'honorable puis sur ma bio lompi ya AAA bon sala ngolo sam na kuankadre betu sam betu kuma na union sacrée yai betu vanda betu ku adhérer massivement. Je pense que le président a été clair. Nous sommes venus féliciter notre patriarche du Grand Bandundu et pour son élévation comme président de l'Assemblée nationale, surtout que c'est lui qui a amorcé même le processus et de l'union sacrée prônée par les chefs de l'État. Nous sommes venus les rassurer également que toute la population du Grand Bandundu est derrière cette vision. Voilà d'une façon laconique ce que je peux dire. Très satisfait de voir que ses frères les soutiennent et soutiennent aussi la vision des chefs de l'État que lui nous a amené dans le Grand Bandundu. Voilà. Le Kwilu se porte bien, d'une façon générale.